Pour faire une bonne empreinte optique, vous avez besoin d'un scanner intraoral, bien évidemment. Toutes les dernières générations sont très bonnes. Vous avez besoin d'un écarteur. Alors, vous voyez quand ça va? Ok. Vous avez besoin de bien sécher les muqueuses et les dents. Parce que la caméra n'aime pas la salive. Il faut absolument éteindre le cyanitique. Et si vous êtes gêné par votre plafonnier, petite astuce, vous pouvez masquer la lumière en mettant votre main devant. Le chemin de scannage est à peu près toujours le même. On commence en occlusal, et puis ensuite, dès qu'on arrive sur les faces antérieures, on fait un petit mouvement de bascule. On finit en occlusal. On repasse en lingual. Et on termine en vestibulaire. On passe ensuite à l'autre arcade. Au maxillaire, même chose. Et très important surtout, bien scanner les muqueuses. Au maxillaire, on prend tout le palais. Ça, c'est facile. Et à la mandibule, on essaie de capter les zones rétromolaires. Moins facile. On enregistre bien sûr l'occlusion. D'abord à gauche. Puis à droite. Dernière chose, pour scanner évidemment les implants, vous avez besoin d'un transfert qu'on appelle un scan body. Et ce scan body, il doit toujours être impeccable, d'aspect neuf. Donc surtout, les usages uniques sont bien faits pour être à usage unique. Et assurez-vous que votre scan body soit toujours propre. Jamais de sang, jamais de salive. Retrouvez-nous à l'IFCIA les 21 et 22 septembre pour une session, le flux numérique en implantologie.